Bonjour à tous, voilà, on est quoi? On est mardi, j'ai dormi ma première nuit dans le riad. La nuit s'est super bien passée. Hier c'était une journée, comment dire, une journée un peu off, parce qu'on a trop marché avec Tarek. Donc hier on a été dans la Médina, j'ai pas trop filmé, voire même pas du tout presque. Donc c'était vraiment via mon GSM que je l'ai fait. La nuit était bien. Personnellement, je trouve que la nuit est un peu chère pour ce que c'est comparé au pays coup de cœur que j'ai, la Thaïlande. Donc ici, la nuit, elle revient à 27 €. 27 € je trouve ça un peu cher, surtout pour la salle de bain qui n'est pas fameuse du tout. Mais bon, j'ai su me raser, j'ai su me laver. Mais comparé à des autres endroits, je pense qu'il y a moyen de trouver un peu mieux, surtout pour ce prix-là. Les rues sont sales, il n'y a pas beaucoup de poubelles, voire pas du tout même parfois. Un bête exemple, dans la chambre, il n'y a aucune poubelle, quoi. Donc comme je suis malade, mes mouchoirs, je dois les mettre dans un coin, j'espère qu'ils vont les prendre. Il n'y a pas de sac en plastique, on ne reçoit rien, quoi. Donc je ne vais pas dire que je suis déçu, mais voilà, quoi, c'est 27 € la nuit, donc je passe ici 2 nuits, c'est pas le grand truc. Maintenant, je reviens toujours avec mon pays, la Thaïlande. Vous allez voir les trucs que j'ai loués, mais il y a piscine, il y a salle de sport, il y a des gardiens. Il y a coffre-fort dans la chambre, il y a une cuisine dans la chambre, il y a l'air conditionné. Bon, ici, l'air conditionné, il y a ça. Mais bon, question de comparaison, c'est un très beau pays, mais mon coup de cœur reste quand même toujours la Thaïlande, quoi. Et voilà, aujourd'hui, on va voir un truc. Normalement, les tanneries, si Tarek est réveillé, normalement, on va voir ça. Et sinon, il est 8 h 40 du matin. Je suis passé, mais j'ai pas encore vu de petit déjeuner. Normalement, c'était prévu à 8 h 30. Je vais quand même une fois aller voir. Je vais aussi vous filmer ça. Mais sinon, c'est chouette, comme dit. C'est chouette. Mais pas rester 15 jours à Fès, quoi. Ça, il faut pas le faire. 4 jours, c'est bien, quoi. 4 jours, vous avez fait le tour. Et dommage que j'ai pas vu Casablanca ni Agadir. Voilà quoi, ou Marrakech, ce sera peut-être une prochaine fois. Voilà, le petit déjeuner est arrivé. C'est touriste, hein? Ah oui, je peux pas être à la TV, hein? Incroyable. Ouais.
Ça, c'est. Ah, c'est. Ça, c'est une maison d'hôte alors. Ah, ok. Je me demande s'ils vont mordre les chiens ou pas. Je suis pas sûr que c'est. C'est une maison d'hôte. Ah ouais. Oh my goodness. Donc ça c'est ici qu'on fait le cuir. Par ici pour ça se passe le cuir. Regardez les os comme. Ça filme hein? Ok, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est pas des fleurs que j'ai. Hein. En fait, ça c'est de la menthe que j'ai parce que nous sommes dans les tanneries de Fès. Les tanneries, c'est quoi? Ben, le nom le dit, c'est là où on fabrique le cuir, qu'on fait les couleurs, qu'on traite le cuir et tout ça. Et pourquoi on a ceci? Ce n'est pas une plante ni une fleur, c'est de la menthe. La menthe, qu'on essaie un peu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, je vais vous montrer, ils sont en train de travailler. Donc on peut vérifier ici. Voilà, ils sont en train de travailler dans tous les bains. Donc tous les cuirs passent d'un bain à un autre bain. Et alors, ce qu'il faut aussi savoir... Bon, je vais quand même vous expliquer l'histoire avec le mec. Donc, j'étais en train de filmer avec mon ami Tarek, une petite interview là, très sympa. Finalement, le mec, il est venu, il nous a dit, ben, c'est strictement interdit de filmer, ou c'était marqué nulle part, bien sûr. Là-dessus, il a dit ça d'un ton que j'ai pas trop aimé. J'ai été très calme et je lui ai dit, monsieur, pas de problème, je vais arrêter, mais maintenant, je pars directement à la police des touristes, parce que vous cassez mon voyage. Non, monsieur, pas de problème, vous pouvez faire des photos. Je dis non, j'ai pas envie de faire des photos, j'ai envie de filmer un peu. Pas de problème, monsieur, soyez le bienvenu, vous pouvez filmer. Donc, en clair, si vous avez un problème dans un pays étranger, ne vous énervez pas, dites simplement que vous avez porté plainte à la police des touristes. Taxi Fès, donc il faut savoir qu'ils sont rouges, ils sont connus, c'est que des taxis rouges ici. Et alors on était à la Médina, que je vais vous raconter une petite anecdote, enfin une anecdote, une petite histoire tantôt. Et ici en fait on part en tambour Médinine. Oui. Donc c'est en fait une vue panoramique sur Fès quoi. Ça, c'est un bonus pour toi, Eric. Ah, c'est super bon, c'est vraiment époustouflant. Et voilà, c'est mon cadeau pour toi. Inch'Allah. Inch'Allah, frère. Inch'Allah. Top, c'est parti. Ok, le défi est de monter le plus haut possible. Donc, Derek, je. Ouais, moi je pourrais encore aller plus haut. Ouais. C'est tout, Derek? Ici. Ah. Attends, je vais zoomer. Tu vois, je peux faire Pékin Express, hein? I can do it. Ça va? La basse? Inch'Allah. Alors bonjour, voilà, nous sommes ici à Fès, du côté de les tombeaux Mélindine. Le tombeau Médine. Oui. Actuellement, c'est une hauteur très haute. Tu sais pas les mètres. Combien de mètres d'hauteur? Je crois que c'est 2000 mètres. T'es sûr de ça? Non. 2000 mètres, c'est 2000 mètres. Ça va aller un peu beaucoup. Oui. Voilà, je voulais encore faire un petit commentaire. On descend. On va voir si les caméramans sait descendre aussi. Ouais. Le roman, il doit regarder sans regarder. Voilà. Donc ici, nous sommes encore toujours dans le coin touristique. En haut, mon caméraman va tourner. En haut, tout en haut, il y a un hôtel. Et alors, ce que vous voyez en bas, ben voilà, c'est ça que je vous montre, hein, c'est ça. Ça, c'est très dommage. Et pourtant, regarde, hein, peut me filmer. Regarde, pourtant,
là-haut, il y a un hôtel, mais super beau, une vue panoramique, le tombeau, ce que tu m'as dit là. Et alors ici, t'as tout ça, quoi. Je comprends pas, il y a un hôtel et c'est un hôtel. 5 étoiles. 5 étoiles, oui. 5 étoiles, il y a ça, quoi. Ça, c'est vraiment... Non, je reste sur cette position-là. Et c'est pour ça que les images sont toujours très... Très réalité, quoi. C'est pas des photomontages, quoi. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une route pour aller voir ce truc. Et alors quand les touristes voient ça, c'est dommage. Ah, ah, you're beautiful. Ah, ah, you're beautiful. Ah. Alors, bonjour. Voilà, c'est le dernier jour, les quelques heures que je suis ici au Maroc. En gros, bien, pour voir le pays, les traditions et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, comme j'ai déjà répété, plus que 4 voire 5 jours. Pour ma personne, non. Sinon, il faut aller dans des autres villes, style Marrakech, je présume, ou Agadir, où il y a beaucoup plus d'ambiance, beaucoup plus de mouvement. Ici, c'est vraiment tradition. Ouais. Donc, moi, j'ai toujours été honnête dans mes voyages, même en Thaïlande. S'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui n'est pas bien, je le dis toujours. En Thaïlande, il y avait aussi des points négatifs. Voilà, moi maintenant personnellement, je ne viendrai pas directement ici, peut-être plus tard, encore une fois, mais sinon c'est une ville très ancienne. Pour avoir des boissons froides ou quoi que ce soit, c'est un peu dur, je ne vais pas dire pénible, mais c'est un peu dur. Vous allez voir les vidéos, vous avez vu les vidéos, il y a des trucs qui sont parfois un peu hard. Question de chaîne de froid, ils connaissent pas. En Thaïlande aussi, hein, parfois il y a des problèmes avec la chaîne du froid. Mais ici, c'est flac, donc c'est flagrant. Sinon, j'ai bien aimé en général ce que je pourrais dire 6 ou 7 sur 10, le voyage, 6 ou 7 sur 10. Voilà quoi, donc mon coup de cœur reste la Thaïlande. En tout cas, j'ai aucun regret. Je remercie Tarek pour toute sa gentillesse, bien sûr, qu'il a fait et qu'il est venu souvent au Riyad pour m'accompagner là-bas. Donc, ça, je le remercie encore. On a bien rigolé avec Tarek. On a parlé beaucoup de Pékin Express, bien sûr, parce qu'il a envie de participer à Pékin Express. Donc, hier, je me rappelle encore au restaurant. C'était un McDo. Non, c'était pas un McDo, c'était un Burger King. J'avais envie d'un truc, enfin autre chose, quoi. Et là, on a super bien rigolé, quoi, pour le papier du casting. Donc ça, c'était un moment très rigolo. Sinon, ce que j'ai oublié de dire dans une vidéo, pas pour faire peur ou quoi que ce soit, mais il y a eu un problème, je crois qu'il y a 2 jours. Il y a 2 jours, il y a eu un problème, il y a eu un Marocain qui était sous ou sous l'influence de la drogue, mais il avait un couteau tranchant par là, et il menaçait plein de gens. À un certain moment, il avait caché son couteau, il avait été chez la police ou l'armée, et alors là c'était un peu des bousculades, mais rien. Puis il est reparti, puis il a ressorti ce couteau, mais les premiers policiers n'avaient pas vu qu'il y avait un couteau, quoi. Donc, à la fin, moi, j'étais pas à mon aise, je le surveillais de loin, et il revenait de nouveau vers nous. Et là-dessus, alors, finalement, il y a eu 2 policiers en civil qui l'ont coincé, qui l'ont lâché son couteau. Il a été menotté, mais bon, ça, c'était quand même un peu chaud, là, hein, c'était un peu chaud. Mais bon, voilà, donc tout s'est bien passé. Sinon, l'un dans l'autre, voilà quoi, c'est un peu mon topo. Je remercie encore toute la famille de Tarek, je précise encore, parce que Tarek a été vraiment, vraiment un bon, comment dire, encore un guest ou un accompagnateur ou un guide ou un hôte ou un truc comme ça. Donc il était vraiment bien et voilà, je le remercie encore. Tarek, alors j'espère, Tarek, que tu vas réussir Pékin Express et que tu pourras aussi faire cette aventure. Et comme ça, voilà, il faudra plus demander des conseils, quoi. Allez, je vous embrasse et le prochain voyage, vous le savez tous, ce sera la Thaïlande au mois de janvier. Et là, on partira un petit mois et on fera aussi pas mal de vidéos. Voilà, bisous à tous, bye bye.